Nous sommes en Gaule, sur le territoire de la tribu des Bituriges, au printemps de l'année -52. Alors que César poursuit vers Saint-Gétorix, le proconsul est surpris par la stratégie de son ennemi. Au lieu de faire comme d'habitude et d'affronter les Romains dans une bataille rangée, les Gaulois ne tombent pas dans le piège et ne livrent pas le combat. Plutôt, le chef Arverne fait incendier les villes, il fait brûler les oppidums, il fait enflammer les campagnes, si bien que l'envahisseur souffre rapidement de la famine. Malheureusement pour Vercingétorix, les Bituriges refusent de l'écouter quand il appelle à brûler Avaricum, la capitale de la tribu. C'était mal connaître la qualité de l'armée romaine, qui, malgré le courage et la détermination des défenseurs, s'empare de la ville en quelques semaines. César peut ainsi se ressaisir et restaurer ses troupes, mais au moins, l'Arverne a montré qu'il avait raison. Désormais, il a carte blanche pour guider la rébellion dans la guerre, et c'est devant Gergovie qu'il va livrer bataille. Au mois de mars -52, après son échec derrière les murs d'Avaricum, l'armée rebelle se replie vers le sud. Pourtant, si elle vient d'essuyer un revers, l'autorité de son chef, Vercingétorix, n'en ressort que renforcée. Sa stratégie de la terre brûlée était la bonne, il aurait fallu aller jusqu'au bout. Si les Gaulois avaient mis à feu leur capitale, les Romains seraient déjà morts de faim. Aussi, le jeune Arverne a désormais l'attention de tous les autres chefs. Et désormais, voici quel est son conseil. En sa qualité d'ancien otage de l'armée romaine, il sait très bien qu'il ne sert à rien d'affronter les légionnaires au corps à corps. Rappelez-vous de la campagne contre les Helvètes, de la campagne contre les Belges, de la campagne contre les Vénètes. À chaque fois, l'équipement, l'entraînement et la cohésion supérieure des soldats romains ne laissent aucune chance aux Gaulois. Mais si l'on ne peut pas combattre l'ennemi, alors comment faire pour le repousser? À ce problème, Vercingétorix aurait trouvé la parade. La faiblesse de César, indique-t-il aux autres chefs, c'est l'approvisionnement en nourriture. Le proconsul est en effet dépendant des vivres que lui donnent ses amis gaulois, et saper sa logistique le contraindrait à la famine. La terre brûlée était la première option. Celles-ci ayant échoué, il faut s'attaquer aux fournisseurs de l'armée romaine. En effet, la tribu des Édouins sert de véritable plateforme d'opération pour César. Jusqu'ici, elle était fidèle à Rome, mais en -52, elle connaît une crise politique assez profonde. Pour élire leur nouveau vergobrette, qui est une sorte de magistrat suprême chez les Celtes, chaque candidat mobilise sa familia, c'est-à-dire son réseau de vassaux, de marchands et de clients. Auparavant, la familia de Divicacus dominait la tribu, mais l'ami de César disparaît subitement des sources historiques. Peut-être que les familias concurrentes, comme celle de Cotos, de Convicto Litavis ou de Litavicos, l'ont écarté. On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé, mais quoi qu'il en soit pour César, la disparition de son ami Divicacus est une mauvaise nouvelle. Parmi ses successeurs, en effet, certains voient le proconsul comme un frein, et non plus comme un tremplin pour leurs ambitions. Aussi, Vercingétorix sait que le sort de la guerre peut basculer d'un côté comme de l'autre, selon la façon dont est résolue la crise politique édouenne. Il rapproche alors ses troupes de leur territoire, comme pour lancer un appel à le rejoindre, tandis qu'au nord de la Seine, la rébellion forme une deuxième armée. De son côté, César sait que perdre les Édouins signifierait la catastrophe. De plus, la rébellion gauloise arrive au pire moment, car de l'autre côté des Alpes, la situation politique est très délicate. Depuis qu'il est parti chez les Celtes pour chercher la gloire et la richesse, César a toujours œuvré pour diviser la classe politique romaine. Il s'était allié à Crassus et à Pompée contre les sénateurs. Il avait recruté Claudius pour terroriser la rue. Mais deux d'entre eux sont déjà morts, et le dernier, Pompée, s'est finalement rapproché du Sénat. Les parlementaires craignant que les émeutiers ne s'en prennent à eux directement, le général est nommé consul avec des pouvoirs étendus. Cauchemar absolu pour César, tous les politiciens sont unis derrière une cause commune. Pire, son ennemi juré, Caton le Jeune, avertit ses collègues dans l'hémicycle. Avec 12 légions et une fortune considérable, la guerre des Gaules a fait de César un homme puissant. Dans un contexte où le peuple manifeste sa colère contre l'élite,
les citoyens n'ont plus Dieu que pour le proconsul. Il est populaire par ses victoires, là où le gouvernement est critiqué pour avoir tué Claudius. Il est célèbre pour ses exploits, là où le Sénat est désigné comme responsable de la disette. Caton prévient tout le monde. Si César marche sur Rome avec une armée, il pourrait renverser le Sénat avec le soutien de la rue. Son ami Cicéron approuve. La plupart des sénateurs le font également. Mais Pompée se montre encore hésitant. Pour lui, soutenir le Sénat peut avoir des bénéfices, mais se séparer de César est aussi un risque. De son attitude dépend l'avenir de Rome et de la République. Bref, César ne peut pas se permettre de souffrir une défaite en territoire gaulois. Il a effectivement des ambitions politiques, et s'il est mis en échec, le Sénat pourrait lui retirer sa confiance. Sauf que pour ne pas perdre la face en Gaule, il faut sécuriser l'alliance avec les Édouins, qui, eux aussi, sont en pleine crise politique. Avec empressement donc, il fait marcher toutes ses légions sur Noviodunum, aujourd'hui Nevers, et réunit les différents candidats aux élections. Souhaitant résoudre la crise rapidement, César s'adresse aux familiers de Cotos, de Convicto Litavis et de Litavicus. Semble-t-il, le vote du Sénat gaulois a désigné Convicto Litavis comme Vergobrette. Cependant, les deux autres s'opposent au résultat. On accuse le premier d'avoir triché, on l'accuse d'avoir corrompu les électeurs, mais César ne veut rien savoir. Pour lui, il est important de respecter les institutions et Convicto Litavis est confirmé à son poste. En remerciement, dit le nouveau Vergobrette, le peuple édouin va livrer 10 000 hommes et des tonnes de vivres à l'armée romaine. Le proconsul obtient donc ce qu'il est venu chercher, mais son succès ne tient qu'à un fil. Cotos et Litavicus sont en effet furieux de l'ingérence et menacent de rejoindre la rébellion. Pendant l'été -52, alors que César s'apprête à réprimer le soulèvement, Vercingétorix essaie de convaincre les Édouins de rejoindre le camp rebelle. Si l'on ignore exactement quelles sont les manœuvres du roi, on peut imaginer que des agents arvernes ont infiltré la tribu dominante. Contre de l'argent, des cadeaux ou des promesses, les espions tenteraient de s'attirer les faveurs de Cotos, de Litavicus et de tous les déçus de l'élection du Vergobrette. Sûrement que les plus ambitieux, tels que Litavicus, se montre assez réceptif au projet de Vercingétorix. Après tout, César s'appuie toujours sur les mêmes familias, toujours sur les mêmes chefs, toujours sur les mêmes privilégiés. Tout comme le vieux Convicto Litavis voit en Rome un moyen de s'imposer, le jeune Litavicus voit dans la rébellion un moyen d'accéder rapidement au pouvoir. Bref, le chef arverne sait que le temps joue en sa faveur. Plus les jours passent, plus les Édouins ont des chances de rentrer en guerre à ses côtés. Aussi, l'objectif de Vercingétorix n'est pas de combattre directement César, mais plutôt de l'empêcher d'agir. Quand son ancien maître divise son armée en deux, avec 6 légions qui partent vers le nord et 6 autres qui prennent la direction du sud, le roi rebelle met au point le plan suivant. Pour rejoindre Gergovie depuis Noviodunum, les Romains doivent forcément remonter l'Allier sur sa rive gauche. Ils doivent ensuite trouver un gué ou un pont pour traverser le cours d'eau, puis se diriger vers l'Oppidum. Vercingétorix fait donc détruire un premier pont, obligeant les Romains à descendre davantage vers le sud, mais au fur et à mesure que l'envahisseur continue sa route, les Gaulois le suivent de façon parallèle à sa ligne de marche. En d'autres termes, pendant des jours et des jours, les rebelles sur la rive droite maintiennent les Romains sur la rive gauche. Ils détruisent les ponts, ils bloquent les passages, ils condamnent le proconsul à rester coincé du mauvais côté. Et bien sûr, pendant tout ce temps perdu, la situation politique chez les Édouins menace de se retourner à tout instant. En résumé, le proconsul doit trouver une solution sans plus attendre. Les Édouins qui l'accompagnent confirment que la tribu va livrer 10 000 cavaliers et des chariots de vivres, mais le Vercobrette ne soutiendra pas Rome dans la défaite. En plus, on rapporte au proconsul que si Convicto Litavis respecte sa promesse, c'est le très frustré Litavicus qui mène l'opération de secours. C'est à lui de mener la cavalerie. C'est à lui de protéger les convois de nourriture. Autrement dit, l'armée de soutien à Rome est dirigée par un anti-romain, ce qui rend la situation très incertaine. Ainsi,
D'une façon ou d'une autre, le proconsul doit passer l'Allier. Ne pouvant le faire par la force, il est contraint de le faire par la ruse. Son armée continue sa route vers le sud, comme si de rien n'était, puis elle tombe tout à coup sur une petite forêt, en travers de son chemin. Le proconsul fait donc pénétrer ses légions dans le bois, feignant de la traverser au pas de course, mais seules 3 légions sur 6 en ressortent. Vercingétorix, qui observe à l'œil nu depuis l'autre rive, n'y voit que du feu et tombe dans le panneau. Persuadé que l'armée romaine poursuit sa marche vers le sud, il ne remarque pas que la moitié des effectifs ennemis ne sont pas sortis. À la faveur de l'obscurité, les légionnaires surgissent alors de leur cachette, descendent la rivière en toute hâte, et construisent un pont sur la rivière. César fait volte-face avec son avant-garde, et en 2 temps, 3 mouvements, il trompe Vercingétorix qui reste figé sur la rive droite. De son côté, le roi rebelle pourrait attaquer tant que tous les légionnaires n'ont pas traversé l'Allier. Mais comme nous l'avons dit, le corps à corps est toujours à l'avantage de Rome. Acceptant son échec, il se replie alors vers Gergovie et envoie des appels à Litavicus. Si les Arvernes résistent suffisamment longtemps et que les Édouins attaquent l'envahisseur par derrière, les Gaulois pourraient gagner la guerre. En attendant, le roi prépare son oppidum à la bataille. La ville, qui se tient à 700 mètres de hauteur, est protégée par un lac, situé à l'est, et par des collines sur les versants sud, sud-ouest et nord. Si le terrain protège la cité contre un siège dans les règles de l'art, elle a néanmoins 2 points faibles. D'abord, un cours d'eau alimente Gergovie et si les Romains s'emparent de la source, la situation des habitants serait critique. Ensuite, sur le versant ouest, la colline est en réalité une pente assez douce et celle-ci conduit tout droit vers les portes de la ville. Pour se défendre, Vercingétorix place donc une garnison près de la source d'eau, fait construire un 2e mur devant la ville, puis dispose le gros de son armée sur la pente. Quand César et ses 6 légions arrivent devant Gergovie, le maître et son ancien compagnon sont prêts pour un combat à mort. Tous les yeux sont rivés sur les renforts édouins, dont l'attitude fera basculer le cours de l'histoire. À la fin de l'été -52, César dispose d'environ 30 000 hommes devant l'oppidum de Gergovie. Son ancien compagnon devrait avoir un effectif similaire, sinon plus grand, mais la peur du combat rapproché pousse les Gaulois à se retrancher sur les hauteurs. S'il avait le temps, le proconsul encerclerait la ville avec un fossé pour contraindre les habitants à la famine. Mais dans cette campagne, l'important est d'agir au plus pressé. Rapidement, César construit un premier camp au sud-est de la capitale. Il s'empare ensuite de la colline avec la source d'eau, chassant facilement la garnison qui la protège. Enfin, il fait établir un 2e camp, plus petit que le précédent, puis fait creuser un double fossé entre les 2. Il se prépare alors à lancer l'assaut général, quand soudain, il apprend que les Édouins le trahissent. En effet, à l'approche de la bataille, le corps expéditionnaire se divise de plus en plus. Comme nous l'avions dit, la tribu se déchire entre familias concurrentes, mais comme chaque familia dispose de son propre contingent, les disputes ont une conséquence sur la cohésion des troupes. Certains veulent rejoindre Vercingétorix, d'autres veulent aider le proconsul. Pour éviter la catastrophe, César quitte ses positions avec 4 légions, ne laissant qu'un quart de ses hommes devant Gergovie. La manœuvre est risquée, mais le proconsul a besoin des vivres promis par Convicto Litavis. Forcément, Vercingétorix ne laisse pas passer une telle opportunité et déclenche un assaut contre le dispositif ennemi. Les Romains, qui sont littéralement à 1 contre 4, résistent avec les scorpions et les catapultes déployés le long de la ligne. Comme à Varicum, la supériorité technologique des Latins fait toute la différence. Pendant ce temps, César tente un coup de pression sur les Édouins. Il négocie avec Litavicus, mais il échoue à le convaincre. Certains cavaliers le rejoignent, d'autres s'en vont retrouver vers Vercingétorix. La moitié des renforts fait ainsi défection, mais au moins, les chariots de vivres sont bien récupérés par les Romains. Quant aux légions laissées devant l'oppidum, elles tiennent le choc et gardent les défenses intactes. Ainsi, le proconsul évite de se retrouver coincé en territoire hostile. Les 4 légions parties à la rencontre des Édouins reviennent à marche forcée.
Les Arvernes, de leur côté, reprennent leur position sur les hauteurs et sont rejoints par l'Itavicus. Maintenant, il s'agit pour César d'en finir une bonne fois pour toutes, et voici quel est son plan. Pour venir à bout de Vercingétorix, il veut feinter une offensive sur la gauche. Il déguise alors des légionnaires et des civils en cavalerie légère. Il leur fait prendre position dans un bois. Il leur ordonne de faire le maximum de bruit possible. L'objectif ? Attirer Vercingétorix vers ce point, alors que sur la droite, les légions se cachent dans le double fossé. Les hommes s'accroupissent derrière les palissades. Les soldats se tassent les uns sur les autres pour tromper le camp d'en face. Du point de vue gaulois en effet, il semble que la plupart des effectifs romains aient pris position à l'ouest, alors que l'assaut principal se fera sur le centre et à l'est. Ainsi, persuadés que le choc est pour bientôt, les hommes de Vercingétorix se déclarent prêts. Tout le monde est motivé, tout le monde est préparé, chacun veut accueillir l'envahisseur comme il se doit, mais ce dernier reste planqué dans sa cachette. Si l'on entend un véritable vacarme dans la forêt, on ne voit pas de légionnaires, pas de drapeaux, pas de mouvement. Bizarre. Puis tout à coup, alors que les regards sont tournés vers le sud-ouest, des civils dévalent la colline en catastrophe. En hurlant, des femmes qui sont restées à l'abri dans l'oppidum alertent le souverain. Les Romains n'attaquent pas par la forêt. Ils attaquent par les portes de la ville et Vercingétorix est tombé dans un piège. En effet, alors que les Gaulois sont massés à l'ouest, trois légions romaines surgissent subitement depuis leurs avant-postes. Au pas de course, la 13e, la 10e, la 8e légion ainsi que la cavalerie éduenne restée fidèle à Rome foncent vers les portes de la ville. Trois autres légions restent immobiles près du lac. Elles attendent le signal pour attaquer à l'est. Vercingétorix est donc dupé, mais il réagit de la meilleure façon possible. Sans perdre un seul instant, il déclenche une charge de cavalerie sur le flanc des Romains. César, surpris par la réaction rapide de son ancien compagnon, stoppe immédiatement l'avancée des troupes. Problème. La 8e légion ne comprend pas les ordres et monte à l'assaut de l'oppidum. Malgré les appels et les rappels du proconsul, 6000 hommes foncent droit sur les murailles alors qu'ils ne sont pas soutenus. Même si le corps à corps reste à l'avantage des Romains, les jets de projectiles et la position en hauteur des défenseurs rendent la tâche impossible pour la 8e légion. Catastrophe. César voudrait bien venir en aide à son avant-garde, mais il est pris sur son flanc par Vercingétorix. Les Édouins pro-romains sont même confondus avec les Édouins anti-romains, ce qui fait que plus personne n'y comprend rien. N'ayant pas d'autre choix, César se retire du champ de bataille et concède la défaite. Malheureusement pour lui, la 8e légion est retenue prisonnière devant les murs. Il faut pourtant battre en retraite et certains officiers se sacrifient pour le collectif. Un centurion appelé Marcus Petreius renvoie ses hommes à leur commandement, tandis que lui-même et une poignée de vétérans retiennent les Gaulois. Les jeunes légionnaires voudraient pourtant l'aider, mais Marcus est catégorique. Il faut fuir tant qu'il est encore temps, et ainsi son sacrifice ne sera pas vain. Devant Gergovie, César essuie donc la pire défaite de sa carrière. Il bat en retraite in extremis et il fait tout pour sauver l'essentiel. Heureusement, les trois légions de l'aile droite n'ont pas combattu et n'accusent pas de perte. Deux légions sur les trois engagées sur la gauche se mettent à l'abri rapidement. La 10e légion, qui compte le plus de vétérans, protège la retraite de la 8e. De son côté, Vercingétorix, qui sait que le temps joue en sa faveur, ne précipite pas les choses et laisse l'envahisseur se retirer. Maintenant, quelle sera la réaction dans les deux camps? La victoire des rebelles devant Gergovie va-t-elle provoquer un soulèvement général chez les Gaulois soumis? Est-ce que les 6 légions parties vers le nord vont aussi connaître la défaite? Et si César ne peut plus pénétrer en Gaule, que Vercingétorix menace le territoire romain, alors le Sénat va-t-il suspendre le proconsul et négocier la paix avec les Arvernes ?